exercice niveau 2. Je place mon bassin en position neutre. J'ai un léger espace entre le bas du dos et le tapis. Un léger espace. J'inspire, je rentre le ventre. J'expire, je monte une jambe en chaise renversée. J'inspire, je stabilise. J'expire, je monte la deuxième. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je garde bien mon ventre rentré. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je stabilise. Je garde le contrôle. Et je relâche. On va détendre le dos. Je peux faire quelques mouvements pour décomprimer le bas du dos. Ensuite, comme tout à l'heure, on appuie sur les pieds. Mon bassin, je viens me positionner, j'aligne le corps, je place bien la tête, inspire, expire. Et je viens me redresser, comme ceci, jambes tendues, le dos bien relâché. Ventre rentré, les épaules basses, corps bien des niveaux. Je commence le mouvement par les cervicales, le haut du dos, le bas du dos. J'expire bien. Bien placé, les mains, je me place en position en planche, j'aligne bien, j'inspire la tête. Je positionne bien mon bassin, mon sternum, je mets les bras en chandelier et là, 100 mètres de pression avec le ventre sur le tapis, donc j'essaie de garder le nombril décollé du tapis. Je mobilise. Et haut du dos. Je ne dois pas ressentir de pression dans le bas du dos et pas de cambrure non maîtrisée dans le bas du dos. Et de nouveau, je détends le bas du dos. Voilà, exercice circuit à réaliser 2 à 3 fois avec 5 à 10 répétitions pour chaque exercice et avec surtout la respiration bien associée à l'exécution du mouvement. Voilà, allez, bon entraînement!